Putain, j'ai la boule au ventre avant de faire cette vidéo. Un an. Ça fait un an que j'ai repris les vidéos. Un an où j'ai dû avoir du putain de courage. Un an où j'ai dû taffer comme un gros porc. Un an pendant que... Eh, ça fait même pas 5 secondes que je parle, je me fais des à chier. Bon, j'étais obligé de faire cette vidéo déjà parce que, un, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Puis merde, j'ai tellement de trucs à vous dire parce qu'il y a tellement de gens apparemment qui sont déçus. Je suis déjà vénère. Stop, on arrête tout. Ça fait un an que j'ai repris les vidéos sur YouTube. Je me suis sorti de ces galères, mon gars. Il y a peut-être beaucoup plus grave, mais je les souhaite à personne. Et pendant une année où j'avais réussi à avoir un appart, je fais quoi? Ben rien. Ben c'est ça le problème, mon gars. Et je vais me parler à moi-même, là. Et je suis conscient que ça fait un an que les gens, ils attendent que je fasse une chaîne Twitch. Ça fait un an que j'ai recommencé à faire des vidéos YouTube. Et putain, mais je me force. Je suis en train de me forcer à faire des vidéos. Et ça se ressent. Eh, mais t'es plus comme avant. Mais... Ça me fait chier parce qu'elle est déjà cassée ma télé et j'ai pas envie de la recasser, tu vois. Bah si elle est déjà cassée. On aurait dit un daron quand il s'énerve, tu sais. Il faut pas taper sur les gosses. Du coup, il va taper les objets à côté. Papa, j'ai pas fait mes devoirs. Pourquoi tu frappes la télé, tu me frappes pas à moi? Mais parce que si c'est toi que j'aurais frappé, tu aurais pas pu me poser cette question, on serait sûrement allé aux urgences. Non, c'est plus possible. Je suis pas régulier. En fait, vu que je me sens forcé de faire les choses, ben je les fais de moins en moins en fait. Mais je vais me parler encore à moi-même. Mais ouais, je suis chelou. En un an, mon nombre d'abonnés, il a pas fluctué, mais par contre, j'ai développé une schizophrénie, mon gars. Ah, je te jure, là-haut, c'est un village, il y a un boulanger, il y a un mécanicien, il y a tout. Hein. Donc que je m'écoute bien là. Si je suis pas trac et que j'ai pas la motive ou que je commence à glander, j'ai intérêt à regarder cette vidéo. Attendez les abonnés là, je suis en train de me parler à moi-même, alors s'il vous plaît. Non, parce que je crois franchement que j'ai envie de rester comme ça là. Oh, moi-même. Eh, ah, je déteste les gens qui font ça. Eh, mec, tu crois? J'aime pas. Eh, moi j'ai pas envie de rester comme ça, moi j'ai envie de rêver. Je veux arrêter de me forcer comme une merde là. Une vidéo tous les dimanches. Non. Maintenant ça sera une vidéo quand j'ai envie. Et vu que j'ai envie, ben je pourrais en sortir 3 par semaine comme une. Je veux me faire kiffer. Alors oui, ces derniers temps il s'est passé des choses, voilà. Déception amoureuse, pas le moral du coup. Redéception amoureuse. Mais j'ai pas envie de rester comme ça là. Il y a que les dernières vidéos où vraiment putain j'ai kiffé ma race. Ça fait un an que je me bride à pas faire de jeux vidéo parce que je me dis non, il faut que j'arrête les jeux vidéo. J'ai pas envie qu'on me mette une étiquette. Mais je m'en bats les couilles. Je viens d'avoir une révélation encore. Une fois là, je m'en bats la race. Ça devient vulgaire là. Arrête un petit peu, tu me fais peur. On est sur une chaîne où la moyenne d'âge c'est 13 ans. Je m'en bats les couilles. Là, je suis naturel. Ça me saoule en plus. J'ai perdu, tu sais, du punch. Genre, je suis comme ça dans mes vidéos. Tu sais, je m'énerve moi-même. Pendant un moment, j'étais tellement mou dans mes vidéos. J'avais l'impression que j'étais la première chaîne retraitée de France. Ouais, je me suis même dit que j'allais faire du stand-up dans les maisons de retraite. Ah, les mamies, elles allaient kiffer. Hein. Resalut tout le monde. Ah, on est moins qu'hier. J'ai l'impression que ça descend un peu tous les jours. Eh, hein. Hey, dites-le-moi si mon spectacle n'est pas bien. Comment ça, c'est pas pour ça? J'ai envie de me faire kiffer. Si j'ai envie de faire du gaming, pourquoi je me prive? Sérieusement, je crois que j'ai perdu mes bases en fait. J'ai tellement pris de choc dans la gueule ces deux dernières années en fait que je me suis recroquevillé sur moi-même et je deviens une lopette, sa mère. La vidéo du chat là, mais j'ai kiffé la faire. Ouais, même s'il y avait encore quelques trucs à revoir dans le déroulement de la vidéo, mais ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai kiffé. Moi, j'ai pas envie de rester là, à rien foutre. Ok, je peux faire des vidéos un peu moins travaillées comme les tu préfères, mais moi, je veux kiffer. Si je veux aller faire un urbex, mais je vais faire un urbex, je m'en fous. Si j'ai envie de faire de la musique, je vais faire de la musique. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie de refaire. Être un kifou. Mais les gens me mettent tellement la pression avec que j'ai même plus envie de le faire. Et si j'ai envie de le faire, j'ai envie de l'amener à un niveau supérieur. J'ai pas envie de me cantonner à GTA. Je veux l'amener à un niveau encore plus haut. Le faire en IRL par exemple. Mais je veux arrêter de choisir la facilité. C'est horrible de choisir la facilité. Oh, mon compteur d'abonnés, il est tellement calme. C'est un lac le truc. Je te jure, tu regardes au plus profond, il y a des perches, il y a des saumons. Là, t'as envie de faire de la pêche, tu vois. J'en ai marre aussi de me trouver des excuses. Je me suis sorti de la merde, tout ça pour rien foutre en plus. J'ai l'impression d'avoir gâché un an. Pourtant, j'avais bien commencé, tu vois. Un rap, je m'étais donné à fond et tout. C'est comme si tu vois j'avais acheté une BMW, là tu vois j'étais chaud de ouf et... C'est vrai, il faut des roues à une voiture, j'avais oublié ça. Ah, mais souvent on oublie, pouah, ça m'est sorti de la tête. Non, il faut que je me reprenne en main. Cette blague est recyclée. Avant, je faisais des vidéos avec rien. Le concept insomnie, je sais pas si vous en rappelez, mais putain, mais je faisais n'importe quoi. Mais avec rien. Et c'était cool parce que j'avais envie de faire une vidéo. Là, je me force et c'est pas moi. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des voyages, j'ai envie de faire du stand-up. Et moi, je suis bloqué là. Mais comment avoir son bac sans réviser? Mais ta gueule! Donc là, je m'explique, Rafale. Comment ça, je suis chelou? Arrête un peu là. Je vais revenir un an dans le passé, je vais aller chercher mes couilles. Je vais revenir et je vais faire les vidéos qui me plaisent. Comme ça, je vais peut-être pouvoir sortir 3 vidéos par semaine comme une. Mais je veux me faire kiffer. Il faut que j'arrête de me brider, que j'envoie, parce que c'est pas comme ça que je vais réaliser mes rêves. Et à je sais pas combien d'années, j'ai fait une vidéo 50 000 abonnés, je crois que tu l'as oublié. Vous avez pas la tête froide et vous dites pas, je vais réussir, alors vous réussirez pas. Ce discours que j'avais là,
fonce parce que d'autres gens vont le faire avant toi et tu vas être dégoûté toute ta vie et c'est ça qui va te rendre faible. Faut que je me le remette en tête, il faut que j'arrête de faire des vidéos en mode bon il faut que je sorte une vidéo, bim allez hop je fais ça nique sa mère. Non, je sors une vidéo si je veux, sauf que je vais essayer de le faire plus souvent. Il faut que je me force à être régulier, à être discipliné, sinon je vais me foutre des fessées tout seul. Et attention que je kiffe moi, j'adore ça moi, je vais pas sortir de vidéo, j'arrête ma chaîne YouTube. Et je suis d'accord avec mes abonnés que ça manque de punch et tout. On est d'accord ou pas? Peut-être qu'il y en a qui kiffent ce que je fais maintenant, il y a aucun souci. Mais je vais faire ça mais au level 100, je vais aller plus haut moi. Je veux pas être le vidéaste de Second Zone, je veux kiffer ma race. Je veux être moi-même, je veux être mon propre roi, mon propre chef. Et je veux vraiment savoir si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez que j'envoie de ouf. Ta gueule, la rafale. C'est simple, après cette vidéo, il faut que je m'y mette à fond. Il faut que je réalise tous mes objectifs. Pas à n'importe quel prix, attention, parce que j'ai pas envie de faire de la merde non plus. Mais c'est pas en restant à rien foutre que tu vas réussir quelque chose. J'ai vraiment l'impression de me parler à moi-même, c'est très perturbant. Mais à un moment, ça fait du bien. Donc, je vais me bouger le cul. Je me suis sorti de bien plus pire que ça. Donc, mettez la cloche. Les vidéos sortiront à des jours spécifiques, genre le mardi, jeudi, parce que là où il y a le plus de monde, quoi, en gros. Mardi, jeudi, samedi, dimanche. Mais je sais pas quand. Et je sais pas combien de vidéos sortiront par semaine. Donc, mettez ces notifications. On va repartir dans un délire, les mecs. À l'ancienne, vous avez même pas idée. Je vais prendre mes couilles, je vais les secouer tellement que je vais devenir barman. Ok, le cocktail était pour qui là? Je ne veux plus de peur, plus de barrières et je ne veux plus me forcer. Ça commence maintenant. Mettez un like si vous avez été d'accord avec moi. Il faut surtout que j'arrête de me rabaisser. Encouragez-moi dans les commentaires parce que c'est pas en clashant que ça va arranger les choses. Si vous aimez mon contenu, encouragez-moi les mecs. Il faut aussi que la confiance en soi elle suive. On m'a tellement démonté ma confiance en moi pendant 2 ans. J'en avais plus à la fin. Le truc c'était une serpillière. Tout le monde passait dessus. Hop, hop, hop. Enlevez vos chaussures peut-être. Eh ben non, les mecs. Hop, regarde, je me suis dessus. Je suis allé à la forêt. Yeah. Je veux qu'on soit tous solidaires là. C'est ma chaîne, mais vous en faites partie, les gars. Et les dames. Je suis célibataire. Mon aventure, elle va dépendre surtout de moi. Mais si elle avance, ça sera surtout grâce à vous. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud, sa mère. J'ai envie que ma chaîne monte en crescendo. Mais je veux que toutes les vidéos ne soient pas forcées. Je veux repartir dans mon délire et ça commence dès cette vidéo. Je me casse.